מזל טוב, אתם 20,000 מנויים, תודה רבה לכם. 20,000 זה המון. כן, ראית? כן, פעם ראשונה שלי פה. אתה מתרשם? אני מאוד, מה, ודאי. זה חלקית בזכותך? באמת? איציק, de l'école dialogue avec moi, sur toute la formation à cours d'hébreu, on vous attend pour une formation complète. Mais maintenant, on va apprendre comment on compte de 1000 à 100 000. Bon, on va pas passer par tous les chiffres, bien sûr, on va parler que des chiffres ronds. Itik, tu nous aides? Yala. Comment on dit 1000? Elef. Très bien. Comme en arabe, d'ailleurs. Pas Aleph, pas la lettre non. Aleph. Elef. Elef. Ça s'écrit pareil, mais... 2000. Alpaim. 3000. Shloshet alafim. Ah, shloshet alafim. Ça n'est pas construit. 4000. Et t'as construit arbat alafim. Arbat alafim. D'accord. 5000. Chameshet alafim. 6000. Cheshet alafim. 7000. Shvat alafim. 8000. Shmonat alafim. Shmonat alafim. Shmonat alafim. Fais un seul trait. Shmonat alafim. Okay. Comme les Israéliens, bien sûr. 9000. Tchat alafim. D'accord. Tishat alafim. 10000. Aseret alafim. Donc, Asara devient Aseret. Ok. Aseret adibrot. Voilà. Aseret alafim. Okay. Par contre, à partir de 11000, ça change. Tu dis plus alafim, tu dis elef, c'est plus simple. Mais tu dis les nombres au masculin. Okay. Dans la formation à cours d'hébreu, vous avez plusieurs leçons sur les chiffres. Donc ne vous inquiétez pas, vous venez, on vous prend en main. 11 000. 11 000. 12 000. 12 000. 13 000. 13 000. Même pour moi, c'est difficile parce qu'on parle mal. 14 000. 14 000. 15 000. 15 000. 16 000. 16 000. 17 000. 17 000. 18 000. 18 000. 19 000. 19 000. 20 000. 20 000. Facile. 20 000. Okay. Alors maintenant, si on veut dire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, jusqu'à 100 000, c'est un chiffre qui fait rêver. 100 000, hein. Okay. Quand on sera à 100 000 abonnés, on vous apprendra à compter jusqu'à 1 million, mais on va attendre un peu. 30 000. 30 000. 40 000. 40 000. 50 000. 50 000. 60 000. 60 000. 70 000. 70 000. 80 000. 80 000. 90 000. 90 000. Et 100 000. 100 000. 100 000 עוקבים. נכון. Ah, אני מקווה. יש עכשיו 20 000. Ouais. Alors, comment on dit des abonnés? Est-ce qu'on dit עוקבים ou est-ce qu'on dit מנויים? עוקבים, כי הם עוקבים אחרי... זה יותר... ביוטיוב זה עוקבים. עוקבים זה plutôt des suiveurs. כן. Des followers. זה לעקוב אחרי. C'est des followers, des suiveurs. Et מנויים, c'est plutôt des abonnés. Oui, mais je dirais plus pour YouTube, Instagram, etc. Et Facebook, c'est עוקבים. En tout cas, Itik, tu nous as vachement éclairé sur les chiffres. Eh ben, ça fait plaisir d'être là. Bien que toi-même, tu sois un peu... Tu n'es pas très ami avec les chiffres, hein. Non, je suis discalculé. Ouais, d'accord. Bon, on t'accepte quand même, Itik. Mais tu as vu, j'ai réussi quand même. Tu nous apprends très bien l'hébreu, ce n'est pas des cours de maths, hein. Donc on vous attend, bien sûr, sur lacoursdhebreu.com pour des formations complètes tout niveau avec Itik de l'école d'hébreu. Toda rabba, Itik. Toda, bye bye. Victor.